Merci. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour euh, ce webinaire autour de la fameuse question comment réussir sa cagnotte de dons euh, Je m'appelle Maï, dans... je m'occupe euh, du fundraising digital chez Surfrider Foundation et euh, je vais vous proposer de vous présenter chacun à votre tour. Euh, Juste votre expérience de collecte de dons et euh, vous pouvez aussi parler de, rapidement de la cause pour laquelle vous avez collecté ces dons. Muriel, je te laisse commencer. Euh, bonjour, donc moi c'est Muriel et j'ai fait une collecte de dons dans le cadre de la participation à un rallye euh, et il fallait que on rassemble. On était, on était deux, on était un binôme. Euh, ce, qui est, ce qui a son importance parce que le réseau de chacun ça compte, et donc nous on devait rassembler 12 000 euros. Voilà, donc, je ok, belle si somme. Ça, je comment. <rire> <rire> ok, merci Muriel. Anne, je te propose de te présenter. Donc, ouais, c'est moi, j'ai fait donc une collecte de dons euh, au moment de la participation pour le semi-marathon de Berry euh, je m'y suis pris un peu tard et je voulais euh, atteindre les 1000 euros et j'ai récolté 275 euh, euros. Et au final, vu mon expérience, euh, je suis assez contente du résultat. Et voilà, c'était juste la semaine dernière. Super, merci Anne. Euh, Tiffaine, est-ce que tu peux nous raconter euh, ta cagnotte aussi, s'il te plaît euh, oui, donc euh, moi je suis Tiffaine, je suis social media manager et euh, je travaille dans le marketing digital en tant que freelance et j'ai lancé donc une cagnotte, un crowdfunding euh, en octobre dernier, donc a duré quatre mois pour récolter euh, 6500 euros pour euh, un orphelinat, un, un refuge euh, ici à Bali pour euh, femmes enceintes et bébés abandonnés, donc euh, on a réussi à atteindre l'objectif en quatre mois, ouais, en février, début février dernier. Super, merci Stéphane. Et euh, Adrien, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle euh, un petit yes. peu chez Surfrider et ton expérience Merci. Oui, alors moi je suis Adrien, donc, euh, je suis co-responsable de l'antenne de Paris. Euh, et donc je m'occupe depuis quelques années euh, donc de la course Zéro, qui est une course qui euh, regroupe pas mal d'associations à but environnemental euh, ou pour, pour des causes, euh, des maladies ou plein, plein, de, plein de causes humanitaires aussi. Et euh, donc moi, je m'occupe de, de motiver les bénévoles pour collecter un minimum de 250 euros par personne pour pa pouvoir participer à cette course qui a lieu en juin chaque année à Paris. Et depuis euh, quelques années maintenant, à Lyon, à Nantes et à Bordeaux. Voilà. Super, merci. Et Thomas, je te laisse aussi parler de ton rôle au sein de l'antenne de Gironde. Oui, bonjour. Donc, Thomas Nguyen et je suis bénévole euh, au sein de l'antenne de Gironde. Donc, on est basé principalement à Bordeaux. Et effectivement, cette année, il y a une, une séance, enfin une séance, une session en présentiel de la course des héros. L'an dernier, on avait essayé de mobiliser. Il y a un bénévole qui l'avait fait euh, le long de la Dordogne en, en connecté. Mais sinon, euh, on n'a pas trop d'expérience là-dessus. Donc, je suis aussi là pour euh, prendre des infos. Parfait. Merci. Et Rémi je te laisse. Oui, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, merci à tous nos intervenants et intervenantes d'être connectés. Euh, moi, je vais venir avec une double casquette euh, celle de fundraiser euh, pour Surfrider, puisque pendant pas mal d'années, je me suis occupé du fundraising digital chez Surfrider et j'ai accompagné euh, des personnes qui voulaient faire des collectes avec nous. Et j'ai aussi été collecteur parce que c'est aussi bien de passer de l'autre côté. Et j'ai une expérience sur la course des héros en, dans sa version live, puisque pour le, pendant la période du Covid, juste post-Covid, ils avaient organisé une version live, c'est-à-dire une version connectée où tout le monde pouvait courir partout en France et puis en présentiel, forcément en ville. Voilà. OK, merci Rémi. Um... Donc, moi, je voulais juste ouvrir la discussion sur euh, ce qu'est une, une cagnotte. On peut appeler ça du crowdfunding, on peut appeler ça du fundraising en peer-to-peer. -peer. Elle a plusieurs noms, euh, souvent des, des anglicismes. <laughs> Et euh, je voulais vous partager un outil que nous avons créé euh, pour accompagner justement les personnes qui nous contactent pour euh, lever des dons pour Surfrider. Donc, il s'appelle le guide du fundraiser. Euh, il sera disponible en ligne gratuitement donc euh, à toutes les personnes qui, euh, qui se sont connectées aujourd'hui je vous l'enverrai euh, par mail euh, et voilà donc c'est le guide du Sunraiser par Surfrider donc je vais juste rapidement vous montrer ce qu'il contient euh, donc l'idée c'est qu'il euh, s'adresse à différentes modalités de collecte donc ça peut être un projet, ça peut être un événement ça peut être à l'occasion de plein de différentes choses. Euh, tout d'abord, euh, nous vous parlons en tant qu'amoureux de la nature, amoureux d'une cause, et euh, c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder en tête euh, dans le cadre de sa collecte, euh, parce que après tout, c'est pour ça qu'on le fait. Et, euh, et donc, euh, les deux grands mots de ce guide sont créativité et motivation. Ce sont des ingrédients indispensables et je suis sûre que, que nos panélistes nous en parleront dans la discussion aujourd'hui. Et euh, je vais rapidement vous montrer les petites astuces et les conseils donc, euh, de ce guide. Euh, on peut peut-être commencer avec ces questions. Alors, est-ce que votre cagnotte s'articule autour d'un événement, d'une vente de... En gros, quelle est l'occasion Êtes-vous seul ou en équipe Quel est l'objectif de la cagnotte et, euh, quelles sont vos ressources et en combien de temps comptez-vous le faire. Donc aujourd'hui, la discussion va un petit peu euh, donc se référer à ces différents points qui sont très importants dans votre cagnotte. Et enfin, le message, euh, comment vous allez parler de cette cause et, euh, et vous adresser aux personnes que vous souhaitez mobiliser. Euh, donc je vais passer directement d'ailleurs aux bonnes pratiques. Euh, pour les personnes qui sont aujourd'hui en panéliste, je pense que vous, êtes, vous avez tous levé des dons seuls. C'est bien le cas. Vous, vous n'étiez pas en équipe. Peut-être Adrien, toi, avec l'antenne de Paris, ça pourrait être une équipe Alors, on peut considérer que c'est une équipe parce qu'on est assez euh, solidaire dans le sens où on se donne des astuces. Mais mmh. la collecte, elle se fait au niveau de nos proches et de nos amis euh, à titre individuel, en fait. D'accord. Donc on va partir aujourd'hui sur euh, le titre individuel. Hein. Euh, et je vous propose de de nous un petit peu de nous parler de comment vous y êtes pris pour euh, parler justement de votre collecte. Moi je peux commencer si vous voulez. Avec plaisir Anne. Euh, en fait comme je m'y suis pris un peu tard il a fallu que je parle du sujet euh, rapidement parce qu'en fait comme j'avais participé l'année dernière au, au marathon en équipe j'avais été choquée par les bouteilles d'eau qui étaient jetées partout en quantité astronomique. Et, euh, et donc, je voulais reparticiper, mais en, en fait, ça a choqué un peu mes, mes valeurs de me dire euh, si je vois toutes ces, ces bouteilles euh, jetées comme ça dans la rue, c'est euh, dommage de participer à un événement qui me choque personnellement, parce que ça, les bouteilles finissent à l'océan. Donc, euh, j'ai quand même décidé de participer, mais genre cinq semaines avant le marathon, qui est court au final parce que je suis pas quelqu'un de, de particulièrement engagé, euh, je suis plutôt on dira écolo dans la vie, mais, euh, mais enfin personne me suit dans les réseaux pour ce genre de choses ni dans ma vie euh, perso. Donc euh, en fait j'y suis allée un peu en mode brute de décoffrage et euh, bon, coucou je participe au semi et en même temps je fais une collecte à, avec Surf Rider. Donc euh, voilà ça a été un peu ma technique qui fait que je me suis aperçue que ça touchait particulièrement son réseau euh, proches et de toucher des moins proches c'est beaucoup plus compliqué je pense que c'est possible mais si je m'y étais pris beaucoup plus tôt euh, dans le temps par rapport à la date du marathon voilà oui c'est très vrai. juste mm -hmm. je pense que euh, c'est notamment une, une technique on verra plus tard qu'on préconise c'est de d'abord en parler à ses proches et d'ensuite l'étendre à, à un réseau euh, plus éloigné euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a peut-être un partage à ce niveau-là sur euh, comment vous avez pu euh, angler votre message pour justement toucher euh, des gens près de vous et ensuite euh, d'autres plus distants? Et moi je veux bien euh, parce que c'est vrai que ça c'est essentiel, le cercle 1, cercle 2, cercle 3, hein, ça on peut lire partout dans tous les dans tous les euh, écrits autour de ça. Euh, le cercle 1, il est très facile à, à atteindre puisque c'est vraiment les proches, et puis au plus on s'éloigne, au plus c'est compliqué. Et, et tout réside dans la, la force du cercle 1, en fait. Donc, euh, si on n'a pas un premier réseau qui est hyper euh, euh, proche et qui vous suit, euh, ça, devient, ça devient très compliqué. Donc, il vaut mieux choisir. Nous, ça avait été notre stratégie. On a ch cho choisi chacune. 20 personnes, on avait 20 personnes à qui on avait vraiment pris le temps d'expliquer ce qu'il fallait faire, comment, etc. Mais il vaut mieux investir sur un petit nombre de personnes qui va vraiment s'engager, à ensuite répertorier et agrandir le cercle. Oui, très Plutôt clair. Plutôt que Merci juste de balancer un, un message comme ça donc, donc s'adresser personnellement quoi coup de fil appeler pas juste un poste sur un, un Facebook en fait nous on avait fait une petite réunion aussi pour, ces, pour ce premier cercle on les avait invités à, à venir nous écouter autour d'un verre c'était une réunion un peu informelle dans en présentiel même oui c'était une réunion informelle, oui oui à l'époque il y avait même pas la question de présentiel ou pas présentiel, euh, non non c'était une réunion informelle mais c'était le fait de d'aller vers les gens vraiment individuellement en fait c'est hyper important parce que si on n'a pas un premier cercle de j'ai envie de dire un minimum une personne à qui on peut s'adresser dépend du montant évidemment qu'on doit on doit rassembler mais nous, on avait 12 000 euros à rassembler, ce n'est pas rien. Euh, et et c'était, voilà, ça me semble un, un conseil indispensable. D'accord. Euh, Tiffen, je sais que tu as beaucoup mobilisé aussi tes proches et euh, par différents moyens. Est-ce que tu peux, euh, peut-être est-ce que tu as une, des anecdotes ou, ou un conseil à donner à ce niveau-là sur la personnalisation euh, oui, alors la pers personnalisation, je pense que comme vous avez bien évoqué, le, le cercle proche euh, est vraiment euh, fondamental. Donc, euh, les, les, moi, par, par mon expérience, et je pense que euh, c'est la même, peut-être la même chose sur euh, sur d'autres euh, collectes, ça a été euh, de principalement euh, euh, impliquer euh, le, ré le réseau et le cercle proche, donc ça va être la famille ou les amis, et effectivement de, de choisir euh, des personnes, ou en tout cas des personnes qui se choisissent elles-mêmes, puisque si elles sont touchées par la cause ou non, euh, et qui vont ensuite euh, vraiment représenter euh, et, euh, et vraiment relayer le, le message à plusieurs temps, c'est-à-dire que c'est elles qui vont aussi être des piliers euh, tout au long de la cagnotte, c'est pas qu'au début, il va falloir aussi qu'elles relancent... En dans un deuxième temps, troisième temps, et jusqu'au jusqu temps final, jusqu'à la fin. Euh, la famille, c'est très important aussi parce que du coup, euh, c'est vraiment un, vrai, un bon relais de commencer par la famille, je pense. Le, le, réseau, le réseau familial, tout simplement. Et, euh, et voilà, après, les, les amis proches. Et puis, euh, un autre élément qui est très important, c'est vraiment, euh, qui a été aussi difficile pour moi à cerner au début c'est de, de cerner la, la bonne cible en fait parce que sur des enfin, selon la cause on est vraiment euh, soit euh, impliqué dans une collègue parce que c'est quelque chose de, voilà qui nous touche mais qui nous touche mais qui est aussi proche de notre quotidien donc c'est très difficile pour 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 moi c'était très difficile aussi de toucher au niveau international parce que c'est une cause qui est qui est très spécifique euh, aux problèmes euh, en Indonésie, aux problèmes sociaux en Indonésie. Euh, donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins facile pour les gens de, de se rattacher à, à cette cause-là et d'être sensibilisés à cette cause-là. Euh, donc, euh, pour la sensibilisation, c'est vraiment plus facile de, de jouer sur le, la localité, euh, de jouer vraiment sur les gens qui sont plus euh, euh, à même d'être touchés euh, vraiment par, la, par cette cause. Euh, et puis euh, vraiment de vraiment de relayer avec euh, avec les proches et, euh, et euh, l'audience spécifique. Donc euh, par exemple euh, donc du coup sur le sur ce sujet là sur, euh, sur euh, le refuge pour les mères euh, célibataires et les bébés abandonnés, c'est très c'est beaucoup plus facile de toucher euh, les mères de famille euh, par exemple comme audience. Et ça a été vraiment des piliers forts, enfin, vraiment. Et aussi surprenant qu'il soit, ça a été aussi, euh, on a eu aussi des piliers en tant que, de... je suis des hommes, célibataires, euh, qui sont aussi euh, digital nomades, ici à Bali, euh, donc au niveau international, des Français, mais pas que, des Américains, euh, beaucoup, euh, très, très forts là-dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment... Euh, tout dépend vraiment de, de cette de voilà de de, cette, de la cible et euh, la première cible aurait été voilà est très facile puisque c'est les mères de famille euh, voilà, le côté familial et tout mais au final euh, ben avec l'avancée euh, du projet on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cibles qui étaient possibles et euh, et donc ça c'est ça c'est chouette quoi d'autres communautés euh, qui sont plus, qui sont sensibles à cette cause là quoi et trouver sa communauté comme ça et ses cibles euh, c'est très enfin je pense que c'est important une fois qu'on les a ben, c'est vraiment une, une belle porte ouverte quoi Super, merci beaucoup Tiffany. Je pense que ce point de effectivement trouver sa communauté, euh, peut-être en, en, voilà, en parlant d'objectifs inspirants, euh, tant de la cause que de, de, de l'avenir, de ce que comment on peut euh, contribuer. Euh, Rémi, est-ce que dans ton, ton expérience de fundraising euh, digital, en termes de, voilà, de comment s'adresser à sa communauté, quels euh, bons enseignements tu as pu euh, glaner au fil des années euh, L'enseignement que je retiendrai, c'est de parler avec le cœur et avec ses mots. Euh, pas forcément d'essayer d'adopter le discours euh, de l'ONG. Et c'est justement pour ça que... Cette forme de collecte est intéressante, c'est parce que euh, les fundraisers, les collecteurs euh, parlent de cette cause qui les touche avec leurs propres mots. Et tant pis si euh, c'est euh, sur une partie de l'activité de l'ONG ou de l'association ou du projet, tant que c'est dit avec leurs mots, avec conviction, et ils sont convaincus. C'est comme ça qu'ils toucheront euh, les, les fois où... Peut-être à vouloir trop prendre le discours officiel de l'ONG, ça perd de, de personnalité, d'émotion. Non, vraiment de s'approprier le message et de le dire avec ses mots et avec son cœur. Euh, je, je, moi, je reviendrai sur le côté euh, cause qui touche. Moi, j'ai remarqué à, à mon niveau, ça fait 14 ans que je travaille chez Surfrider, donc j'ai beaucoup partagé sur mes réseaux perso euh, des, des contenus de Surfrider, des campagnes, donc je suis très identifié Surfrider. Et quand il y a deux ans, j'ai voulu faire la collecte pour SurfRider, je pense que le fait que je sois étiqueté SurfRider a un peu nuit au succès de ma collecte, même si je l'ai réussi, parce qu'il n'y a rien d'innovant. Euh, et mes proches me connaissent en tant que salarié de SurfRider. Donc, euh, je je, 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 peut-être je, je veux bien avoir le retour d'autres personnes en termes de discussion, si les causes que vous avez choisies, c'était quelque chose qui était un peu nouveau pour vos proches parce que votre collecte était une démarche nouvelle. Parce que moi, comme ils savent que je lève des fonds pour Surfrider et que j'ai fait le choix de, à titre personnel de faire ma collecte pour Surfrider, j'ai l'impression que ça a créé une sorte de, de chose moins exceptionnelle et que du coup, ça a moins engagé mes proches. Je ne sais pas si peut-être Adrien, tu as vu ça euh... Oui, ouais, je, je, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en en fait, je pense que le fait d'être salarié ou bénévole, il y a un. Toi, tu es, es, es engagé en tant que, que salarié à plein temps dans le, dans la, dans, à Surfrider. Et euh, les, je pense aussi que les, les bénévoles euh, permettent peut-être d'attirer plus l'attention sur leur engagement, même si le tien est totalement honorable, comme tous les salariés de, de, de Surfrider. Mais je pense que l'écho au niveau des proches, euh, pour les gens qui sont bénévoles et, euh, ou alors juste qui ne euh, sont pas forcément bénévoles, mais qui ont décidé, par exemple, de participer à une collecte pour un, un événement euh, ponctuel ou euh, régulier, comme par exemple la course des héros, euh, fait plus écho euh, euh, parce que justement, ça permet euh, bah d'attirer l'œil, d'attirer l'attention sur, sur euh, une personnalité ou quelque chose qu'on qu ne connaît pas des gens, en fait. Parce que par exemple moi quand euh, j'ai partagé la première fois que j'ai commencé à faire la course zéro en 2019 euh, mon engagement pour 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 Surf Rider, pour cette course euh, quand j'ai partagé ça sur euh, Facebook par exemple il euh, y a des gens qui me connaissaient d'enfance de, qui euh, m interagissaient pas forcément avec moi qui sont venus me donner un, me faire un don parce qu'ils ont découvert euh, ce côté de, cet engagement que j'avais pour pour cette cause et ça leur a parlé en fait et ils n'avaient pas justement euh, euh, l'habitude de me voir ou euh, de savoir que je suis salarié et que c'est mon activité euh, à plein temps. Okay, et, euh, et du coup, clair. ça c'est quelque chose qui, en tout cas, moi je le vois, par exemple, euh, pour reprendre un petit peu l'antenne de Paris, on a, on a pas mal de bénévoles qui sont membres du bureau et qui participent régulièrement à la course zéro mais on a aussi une bonne part de bénévoles, des gens qui n'ont jamais fait d'action avec Surfrider, qui font leur première action euh, sur la course zéro et qui arrivent à collecter et solliciter euh, leurs proches, leurs amis, leur, leur réseau 1, 2 et 3 de façon euh, euh, spectaculaire, parce qu'on a des gens qui, euh, qui font euh, la course zéro, c'est 250 euros minimum, et on a des gens qui font du 400, 500 euros et qui n'ont jamais fait d'action avant pour s'en Ok, merci pour euh, ce partage. Donc ouais, très, euh, très intéressant ce, cette notion de nouveau collecteur ou euh, collecteur récurrent. Thomas, je sais que tu, tu nous as parlé de la personne qui a participé l'année dernière. Oui. Est-ce que euh, tu as pu discuter avec cette personne ou avais-tu des retours par rapport justement à, à ce besoin de d'animer ou de, de vraiment euh, arriver à toucher les personnes autour de la cagnotte qui était nécessaire oui. oui, oui. Bah effectivement, les retours qu'on a, c'est que bah, déjà il y a plusieurs personnes euh, parmi les bénévoles qui n'osent pas se lancer parce que justement, ils... bon ça c'est un autre sujet. Et la personne qui avait réussi à, à récolter les dons l'an dernier euh, l'avait fait principalement grâce à la communication sur les réseaux, euh, sur Facebook, parce qu'effectivement, comme l'a dit Adrien, le fait que euh, bah, son réseau ne le connaisse pas forcément en tant que, que bénévole sur a beaucoup joué. Voilà, c'est un aspect de lui qui montrait, euh, qui, a, qui a parlé aux gens, et c'est ce qui fait qu'il a réussi à, à récolter des dons. Voilà, donc. Euh... Après, le... ce qu'il faisait comme retour, c'est que par contre, sur les cercles, on va dire un peu plus proches, euh, là, c'est pour le coup les cercles plus éloignés qui, ont... qui avaient l'air de... de donner. Les cercles proches, comme la famille ou les collègues, par exemple, euh, ont moins donné. Donc, ça peut paraître un peu contradictoire. Mais voilà, c'est un autre retour d'expérience aussi que... que je vous partage. OK, merci. Ouais, merci Thomas, très intéressant. Je voulais parler d'une... De quelque chose qu'on retrouve souvent dans le crowdfunding et dans, dans les cagnottes, ce sont les contreparties. Euh, et je sais que certains d'entre vous ont des expériences en tant que proposition de contrepartie. Comment on, y, comment on les invente Comment est-ce qu'on essaye de proposer quelque chose d'un peu différent ou qui pourrait toucher justement les, les potentiels donateurs euh, Est-ce que quelqu'un aimerait euh, nous faire un petit retour d'expérience là-dessus euh, wow. oui moi je, je parce qu'on avait fait plusieurs choses dont euh, des contreparties mais les contreparties ne sont, sont pas euh, tout, tout ne doit pas nécessairement être digital au fait vraiment hein, être sur un crowdfunding euh, en ligne parce que nous finalement les sommes les plus importantes qu'on a réussi à rassembler en physique euh, payante un peu plus cher que ce que coûte la boisson ben, c'est ce, ce qui rapporte le plus, hein. et c'est l'occasion de vendre. Euh, euh, enfin, c'est presque ça, ressemble presque au kermesse d'école, mais, mais c'est vrai que ce, ce genre de choses là, ça, ça, je trouve que ça marche mieux quand euh, aller que, que toute autre contrepartie qui serait envoyée en ligne. Donc, moi je suis pour la contrepartie, mais la contrepartie, enfin, contrepartie, marche, mais quand il y a un, un, un vente physique. Parce que les gens osent moins aussi, avant bon, ils... ils osent moins refuser aussi. D'ailleurs, un écran, c'est plus facile de, <laughs> de refuser l'achat de quelque chose. Rémi, je te vois hocher de la tête. opiner du chef, dis-nous. <laughs> <laughs> euh, ouais, je... Dans des contreparties, là, je vais parler des expériences que j'ai, des projets que j'ai pu suivre de de levée de fonds, il y en a plusieurs, donc il y a la contrepartie physique, et effectivement, et après, Muriel, je veux bien que tu précises, alors ça a peut être un peu coupé, tu l'as dit, mais quel format a eu ce, ce, cette contrepartie physique, ou comment vous l'avez créée, comme tu dis, vous avez vu les gens en physique aussi, et c'est vrai que quand on parle aux gens directement, que c'est plus difficile de, de refuser de soutenir une cause mais il euh, y a plusieurs types de contreparties, dont les contreparties euh, physiques, ça peut être des ventes de gâteaux, ça peut être euh, de faire un vide-dressing, et après les fonds qu'on récupère, on peut les donner à sa frère, il y a plein plein d'options. Il y a les contreparties virtuelles, entre guillemets, euh, des merci sur les réseaux sociaux, des messages envoyés, des petits challenges, type euh, je fais une story, je vous remercie. Euh, il y a aussi des, des challenges sportifs, euh, c'est euh, je m'engage à faire euh, X euh, kilomètres de plus, ou je m'engage à faire euh, ce challenge de telle manière. Euh, moi, ce que j'avais fait, euh, je m'engageais à, à, alors je mélangeais le, enfin, je, le physique, c'est-à-dire je ne vendais pas quelque chose, mais comme j'aime bien faire des gâteaux et qu'on me connaît pour ça, je m'engageais soit à faire un petit gâteau sur les montants, soit à, à organiser clairement même un brunch pour les plus grands montants. Voilà, donc ça c'était ma façon. J'ai mis une, une, un loisir personnel. Euh, et pour euh, attirer les gourmands. Donc euh, après, on peut faire des choses drôles euh, pour euh, se faire challenger par ses amis. voilà, ouais, il y a énormément de formats de, de contrepartie, mais il ne faut pas négliger vraiment la contrepartie parce que c'est ce qui peut vraiment clairement euh, euh, être un levier de réussite de la collecte. Merci Rémy. Euh, et je peux attester de <laughs> du, de la qualité du brunch. <laughs> De... Ça a dû être un très bon brunch. Anne, je vois que tout à l'heure tu avais quelque chose à dire sur les contreparties. Je sais qu'il y a eu toute une réflexion autour de... de ce sujet dans ta collecte, donc je te laisse euh, t'exprimer. Euh, C'est qu'en fait, euh, moi comme je, je vous le disais, je m'y suis pris relativement tard, donc du coup j'ai un peu découvert comment euh, la collecte de dons fonctionnait avec TapRider. J'ai un peu tout fait un peu trop à l'arrache. Et au final, comme j'ai touché un réseau assez proche, les contreparties, en fait, ça les intéressait pas spécialement. Je pense pas que ce soit ça qui ait déclenché euh, le niveau de don. C'est plus mon attachement personnel à, à ma personne. Finalement, j'aurais pu faire une collecte pour une autre association, ça aurait été un peu pareil. Si j'avais eu le temps de mieux penser la chose, euh, ouais. Et en fait, j'ai tout découvert la collecte de dons, euh, la communication euh, en ligne pour ce genre de choses. Donc euh, J'aurais, ouais, je trouve que c'est pas mal le, le côté, euh, on fait un brunch, enfin, un truc collectif, parce qu'au final, on touche quand même toujours des gens euh, qui nous connaissent plus ou moins. Enfin, j'aurais aimé avoir un don qui vient de l'autre bout de la planète, mais j'ai réussi à toucher deux personnes un peu euh, hors réseau, donc j'étais assez fière. Mais ça reste assez proche, on peut penser à des choses assez euh, intimistes, comme euh, récompense sur mon type de collecte, en tout cas. C'est ce que je ferais okay. si je devais ouais. recommencer. Donc, pour résumer, ça serait euh, personnaliser quelque chose peut-être de... en lien avec votre personne, vos passions, ouais. euh, et peut-être s'y prendre un petit peu à l'avance. Ah, mais carrément! Euh... <laughs> 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 Tiffane, je sais que toi, tu avais aussi réfléchi à... aux contreparties et c'était plutôt par rapport à la cause en elle-même. Est-ce que tu pourrais rapidement nous, nous expliquer comment tu t'y es pris, toi? Euh, oui, pour les contreparties, je trouve que ça peut être vite compliqué aussi. Donc, c'est vrai que étant international, on a décidé de de plutôt euh, plutôt euh, axer sur une contrepartie euh, facile à délivrer. Donc, euh, c'est c'est plutôt un, un, un objet d'art, euh, voilà, euh, en format digital. Euh, pour le coup, on a impliqué euh, un photographe ici à Bali qui est déjà impliqué dans la dans la, dans la vie associative ici et, euh, et voilà les contreparties c'était voilà l'envoi d'une d'une photo exclusive euh, voilà avec euh, avec euh, la possibilité de, de en tout cas de d'utiliser cette photo pour soi de l'imprimer etc mais euh, après euh, je voilà je pense que effectivement faut pas tout enfin moi pour je, je pense qu'il faut pas tout miser sur les contreparties et euh, pas trop perdre de temps là dessus en vrai ça dépend. Ça, si le message il est fort, les gens ils vont donner, euh, même s'il n'y a pas de contrepartie. C'était vraiment pas, euh, en tout cas pour nous, c'était pas du tout le, un point primordial. Peut-être que dans le futur, ce sera un peu plus. On y a réfléchi à, à d'autres choses, parce que à d'autres éléments. Peut-être fabriquer euh, voilà, nous-mêmes des, des choses, euh, des, voilà, des produits ou des. Des petites euh, des petits cadeaux des choses comme ça à envoyer mais euh, je pense que si le message est assez fort et assez authentique en fait les voilà les gens pas forcément de besoin de contrepartie pour donner après ils sont plus euh, friands de friands de, de contact et de d'authenticité et de et, euh, et de nouvelles et juste de d'un ouais, rapport et d'un échange en fait. Donc le, là où je, je on a essayé en tout cas de, de renvoyer vraiment avec le crowdfunding, c'est plus sur sur le lien à, via, via les réseaux sociaux et d'utiliser ce lien là pour vraiment impliquer les donateurs à la vie quotidienne de l'association. Euh, à qu'est-ce qu'on fait avec vos dons et, et à les remercier euh, régulièrement, à leur répondre et à avoir un véritable euh, échange euh, sans filtre avec eux, pour qu'ils euh, soient au courant en fait des étapes, pour qu'ils euh, soient vraiment impliqués et qu'ils yeah. se sentent impliqués et, euh, et en fait ils ont plus souvent envie d'avoir euh, d'avoir vraiment un échange humain et d'avoir de, des nouvelles euh, voilà de de comment ça se passe euh, sur place plus que vraiment à, un besoin d'avoir quelque chose en matériel en fait voilà donc après c'est je pense suivant le, le message aussi euh, c'est bien de peut-être de voir euh, quel, est, quelle est le, la contrepartie appropriée en fait euh, mm -hmm. euh, à l'audience je pense qu'on a, on a euh, pascal dans le chat qui nous euh, qui nous dit qu'il abonde dans ce sens de privilégier l'expérience et le partage plus que le goodie ce n'est pas l'essentiel euh, cela dit, il se souvient d'une contrepartie sympa avec SurfRider Foundation quand il a pu aller surfer avec une championne. Je veux bien, <laughs> euh, je veux ouais. bien rebondir là-dessus puisque ouais, Pascal était un des, des soutiens euh, financiers de l'application euh, Ocean Zero. Que... J'ai réalisé. Je te salue Pascal et je te remercie. Et il avait du coup une des contreparties était, euh, c'était la meilleure contrepartie, c'était d'avoir un cours de surf avec euh, la championne de surf Pauline Ado qui est aussi notre ambassadrice. Et euh, du coup euh, Pascal était venu et Pauline avait fait un, le cours de surf avec lui. Et je, je... dans mon souvenir, c'était un très très bon moment, une super expérience. Euh, juste pour rebondir, euh, je, je pense qu'il y a deux Formes, enfin, deux raisons pour lesquelles on peut soutenir une collecte il peut deux formes il y a une très basée sur la cause et le, le projet donc euh, comme euh, ce que tu as fait euh, Tiffany euh, ou comment j'ai pu faire avec une appli enfin soutenir euh, la création d'une appli pour euh, s'initier au zéro déchet après euh, et, et du coup on a deux, deux styles de donateurs les gens qui vont donner vraiment pour la cause et là tu as raison il faut euh, vraiment, ils vont plus rechercher les infos euh, sur le projet, des actus, de l'authenticité aussi, ouais, euh, mettre des, les personnes qui soutiennent ce projet en avant, montrer que euh, c'est vraiment quelque chose qui est fait par de, des vraies personnes, enfin voilà, de l'authenticité de sa personne, et euh, peut-être que les contreparties à ce niveau-là sont moins importantes, mais il euh, y a aussi des gens, comme euh, Anne a pu le dire, qui donnent plus pour la personne, et la cause entre guillemets est moins importante. Et là, euh, dans ce cas-là, peut-être des contreparties peuvent quand même euh, aider, euh, même si c'est des contreparties qui, qui ne coûtent rien, qui est genre euh, euh, je fais, euh, bah, Anne a fait le semi-marathon, elle aurait pu se dire euh, je fais cette, euh, un kilomètre à cloche-pied, je dis n'importe quoi pour cette personne qui peu donne. <laughs> Mais voilà, je pense qu'il y a deux, vraiment deux euh, formats, enfin de, deux profils de donateurs, les personnes qui vont donner pour la personne qui collecte et les personnes qui vont donner pour la cause. Okay. Merci Rémi pour ce, cette précision. Euh, je voulais parler un petit peu parce que le temps file et justement je voulais parler du temps. <laughs> C'est-à-dire que Anne, tu nous as beaucoup dit qu'effectivement, tu aurais aimé t'y prendre un petit peu plus à l'avance. Euh, Tiffaine, je sais que ta cagnotte a été menée sur un temps plutôt relativement long. Euh, Adrien, je sais que vous y prenez assez tôt pour la course des héros euh, euh, chaque année. Est-ce que vous pouvez chacun nous parler un petit peu de... De comment vous êtes organisé euh, quelles sont les bonnes pratiques à ce niveau-là Est-ce que vous avez des rétro planning Est-ce que vous avez des dates euh, importantes auxquelles vous vous rappelez qu'il faut communiquer Comment vous organisez Vas-y, je Alors je commence pour la pour la course des héros. Alors moi je la suis depuis plusieurs années. je pense que ce qui est hyper important, c'est de mettre en temps court on a un petit décalage, mais euh, je t'en prie, Muriel, vas-y. Euh, ben, juste, je pense que c'est important de. Les, les gens sont quand même extrêmement sollicités de toutes parts sur tous les sujets, euh, et on est tous euh, fatigués de toutes ces sollicitations. Donc, euh, c'est important de le faire sur un, sur un temps court, quoi. Et ça sert à rien. Le, le, nous, nous, l'expérience qu'on en a eue, c'est que. Euh, quand on revient dessus, euh, une fois ça va, mais deux fois, trois fois, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, je, je, je serais plutôt d'avis de concentrer au maximum et peut-être d'être, euh, de, de, de passer peut-être du temps de préparation en amont, mais sans communiquer autour de ça. Et, et à partir du moment où on communique, il faut que ce soit, il euh, faut que ce soit flash, quoi. D'accord, merci Muriel. Donc, euh, vraiment cadencé, mais pas trop de fréquence non plus. Euh, Adrien, qu'en penses-tu ouais. Alors, moi, j'ai un, un avis un petit peu différent parce que je pense aussi que l'événement est différent parce que c'est un événement qui est récurrent chaque année au mois de juin. Donc, c'est principalement souvent le 18 juin ou le week-end, le troisième week-end à peu près du, du mois de juin. Et, euh, et donc du coup, on a une deadline parce que en fait, euh, donc nous, on a des collectes à faire individuelles ou en groupe, et on a un plancher, enfin on a un minimum à atteindre pour pouvoir participer à donc l'événement qui est la course des héros. Donc je rappelle en fait, euh, donc on s'inscrit euh, pour soutenir Surfage Foundation, on prend un dossard. donc on a on, un, un individu euh, va se connecter, créer un compte sur sur une plateforme de dons, et, euh, et donc il doit récolter minimum 250 euros pour pouvoir participer à la course. Euh, et euh, donc nous, on a l'ouverture des, des dossards. Donc, euh, on a l'ouverture du dossier qui se déroule à peu près en début d'année, en janvier. Et on essaye parce que là, en fait, moi, je suis un petit peu la, la course zéro depuis 2019. Donc, j'ai participé. Là, c'est ma troisième participation. Mais depuis 2015, on fait la course zéro. Donc, on a quand même un, un background sur, sur l'organisation parce que c'est récurrent chaque année. Donc, on essaye au mois de mars d'essayer de enfin d'avoir le, le nombre de coureurs parce qu'on a des, des, des slots. On a des on prend par exemple 10 dossards cette année. On essaie d'avoir les 10 coureurs le plus vite possible pour, parce qu'on a souvent des personnes qui courent pour la première fois. Et, euh, et donc, on essaie d'avoir une période assez longue parce que ça nous permet d'échanger avec eux, de leur donner des astuces pour, pour solliciter leur cercle 1, 2, éventuellement 3, parce que c'est quand même un peu compliqué parce que là, c'est individuel. Et donc, globalement, on se limite sur le cercle de la famille et des amis. Après ça ruisselle par par le lien par, les, par le, le partage de de publications Facebook ou, euh, ou Instagram ou, ou d'autres réseaux. Mais euh, mais donc du coup nous on, on s'y prend justement à l'avance euh, parce que c'est c'est pas facile euh, de, de de relancer euh, ses proches et ses amis euh, pour une course quelque chose en fait qui est justement qui n'est pas ponctuel mais qui est chaque année même si on soutient son qui euh, qui est là tout le temps euh, mais bon l'action la, est ponctuelle et euh, Bon, allez en euh, genre. Ouais. D'accord, ok, très clair. Tiffen, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou Thomas euh, N'hésitez pas, il nous reste quelques petites minutes. Je veux juste partager l'expérience de notre bénévole qui l'a fait et rebondir sur la contrepartie. Euh, lui il l'avait fait sur trois mois la collecte et justement il avait fait une contrepartie que je trouvais assez intelligente, c'est qu'en fait il se prenait en photo et il partageait ses photos sur les réseaux et c'était des photos très décalées mais où il se mettait en scène avec des actions relatives à Surfrider, donc ramasser des déchets, sensibiliser du public, etc. Et en fait il disait bon bah voilà, le prochain palier, il va falloir atteindre tel niveau de don pour trouver la, enfin, pour que vous débloquez entre guillemets la prochaine photo. Donc ça lui servait à la fois de contrepartie, mais c'était pas personnalisé, et ça lui servait de com. Et du coup, sur les trois mois, il a réussi tout juste hein, euh, avec ça à récolter les dents. Voilà. Après, c'était sa première participation, donc il n'avait pas non plus forcément l'habitude de, de la récolte. Ok. Super, euh, super intéressant cette stratégie, d'ailleurs. Merci Thomas de nous l'avoir partagée. Euh, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour des, des sujets autour de de la cagnotte, est-ce que vous auriez peut-être un mot final, euh, vraiment le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui n'en a jamais fait une et qui justement se dit mais c'est inatteignable euh, comment, euh, quel est le premier pas pour vous Il faut être motivé en fait mon expérience elle est hyper positive bon, déjà, euh, enfin, moralement j'ai eu quand même euh, que des retours positifs même si j'ai pas eu euh, toutes les personnes qui ont été touchées qui ont donné mais après, il faut être motivé dans le sens où c'est hyper chronophage. Quand on sort de nulle part, il faut faire une communication récurrente parce qu'au final, les gens qui potentiellement peuvent donner, ils sont sollicités pour plein de choses. Euh, enfin, pas que pour des dons. Enfin, ils ont aussi une vie à côté ce qui fait que même s'ils y pensent à l'instant T, ils disent oui, donc plus tard, j'attends la fin de mois, j'attends la paye. Donc, euh, donc il faut le temps que ça se mette en place et que euh, ils trouvent, bah, le bon timing pour le faire. Bon, il se trouve qu'en resserrant sur à peine cinq semaines, bon, j'ai dû perdre des gens parce qu'ils euh, l'auraient bien fait, mais finalement, le temps passe tellement vite. Donc, il faut rester motivé parce que quand on ne voit pas la cagnotte augmenter, on se dit, ah, peut-être que je fais ça pour rien. Mais au final, ça s'est très bien terminé. Merci, Anne. Euh, Rémi, un mot, un conseil. Euh, un, ouais, un conseil, mot, ça allait être un peu juste. Euh... Ce que tu as dit, Anne, c'est chronophage. Je, je pense que toutes les personnes qui sont là pour témoigner diront la même chose c'est que quand on se lance dans ce genre de, de projet, d'objectif, de, de, il faut y, do, y donner du temps, il faut y consacrer du temps. Euh, en fundraising, on a une règle c'est que si on ne demande pas, on n'a pas. Donc, euh, ce n'est pas euh, juste un message Facebook une fois ou un post Instagram qui va faire qu'à un moment donné, c'est euh, sur toute la période de cagnotte, de collecte, qu'elle soit longue ou courte, il, euh, il faut demander. Euh, le message va passer peut-être une fois, les gens vont le voir, ils vont se dire Ah oui, es, c'est cool, je vais le faire, mais ils vont être pris par un flot d'informations euh, qui va leur faire oublier ça. Donc, il faut rappeler, renouveler son message, mais vraiment euh, le dire régulièrement. Euh, ne pas hésiter à vraiment se focaliser sur cette cagnotte, sur le temps de votre projet et euh, le faire de manière convaincue. C'est aussi très important. De... Ouais, bah après, quand les personnes s'engagent sur ce, sur ce genre de collecte, c'est qu'ils sont convaincus. Pour les gens qui trouvent que c'est euh, peut-être dur, des fois, c'est des problèmes de manque de légitimité, euh, pas vouloir y aller. Euh, dès qu'on a envie de soutenir une cause, on est légitime. Et euh, en moyenne, euh, je, alors j'ai les stats qui sont un peu. Euh, qui datent, mais euh, les gens collectent en moyenne 500 euros. Donc euh, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Euh, si euh, 20 personnes donnent euh, 25 euros, ouais, on, on y arrive vite. Euh, c'est n'est pas beaucoup d'avoir 20 personnes dans son cercle qui, qui font un soutien. Il y a les collègues, il y a la famille, il y a les amis, et après, des fois au-delà. Non, voilà. Merci beaucoup pour ce retour euh, d'expérience. Est-ce euh, que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet Sinon, je, je propose de clôturer la, la conversation. Je suis de une, la dernière, une dernière petite. Euh, enfin, C'est pas... vrai que l'addition de toutes petites sommes, ça, euh, ça fait parfois le montant. Parce que tu parles de 25 euros, mais ça peut être 5 euros, quoi. C'est 5 euros, c'est ouais, une centaine de personnes qui donnent 5 euros au évite aussi. Faut pas hésiter bah, demander des toutes petites sommes, en fait. Oui, hein. euh, juste un dernier mot pour rebondir ouais. sur ce que dit Muriel. Euh, c'est vrai, et c'est vrai que c'est hyper important. Euh, et ne pas euh, négliger aussi. Euh, les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, mais vraiment l'influence, c'est c'est magique et quand on touche les bonnes personnes, ben, ça peut, enfin autant il que... n'y a pas besoin forcément d'avoir des... des gros influenceurs ou des gens qui ont des grosses communautés derrière eux, mais, euh... mais d'avoir euh, quelqu'un qui euh, voilà qui sait aussi qui, est... qui sait aussi ben en par... enfin parler, être touché par, par la cause sur le bon réseau euh... Voilà ça peut ça peut ça peut vite déboucher sur, euh, sur quelque chose de viral donc ça c'est chouette nous on a une vidéo qui a fait 8 millions de vues sur TikTok et euh, et, en, et en vrai bah, c'était ça, ça nous a ça nous a apporté énormément de dons et pas des gros dons on en a eu peu mais on a eu beaucoup de dons à 5, 10 euros mais euh, voilà comme disait Muriel c'est des, des centaines et des centaines tous les jours. Et, euh, et donc ça c'est chouette et en quatre mois on a quand même on a quand même atteint les 4500 followers sur instagram maintenant en organique on n'a jamais payé une pub et, et voilà donc en fait c'est ouais, c'est vrai que cibler, cibler aussi le bon le bon réseau je pense que ça peut être ça peut être vraiment une, une clé. Merci Tiffaine. On a une question, une dernière question dans le chat de Pascal. Quelle est la somme max, maximum que l'on peut demander dans ce genre de fundraising As-tu une idée Pour moi, il n'y en a pas. Euh, il n'y en a pas vraiment. Ça dépend euh, bien sûr du type de collecte. Si on est plus sur un projet euh, comme pour Tiffen, on peut euh, aller sur des montants euh, très élevés. Euh, sur, quand on va solliciter les proches, généralement, je, de ce que j'ai pu observer, le, les, les max sont plutôt autour de 100 euros. Mais c'est plus par le, le, un, une habitude des, des collecteurs que par une vraie règle. Ça dépend aussi si le don que vous faites est défiscalisé ou pas, si la cause que vous soutenez euh, permet de proposer des, des déductions fiscales. J'ai plus en tête euh, exactement jusqu'à quel est le montant maximum qu'on peut déduire de ces impôts. Euh, et ça dépend aussi du type de profil de votre entourage. Il y a des personnes qui, euh, euh, soutiennent des... qui ont soutenu des causes pour SurfRider, qui ont pour leur anniversaire, euh, pour... on a un grand donateur qui pour son anniversaire, euh, ses 40 ans, a levé 40 000 euros pour SurfRider. Il a eu des dons de 5 000 euros de ses amis. Mais euh, parce que son cercle euh, est... sont des personnes qui sont des grandes des personnes qui ont de l'argent et qui ont la capacité de soutenir des, des, des causes à cette hauteur-là. Donc ça dépend aussi vraiment de, de, de votre réseau et de votre entourage et des gens que vous pensez pouvoir cibler. Merci Rémi pour ce retour. Euh, donc juste pour résumer, <laughs> une cagnotte réussie c'est personnaliser, c'est proche de vous, mais aussi connaître son audience, euh, rester motivé, euh, faire payer votre créativité, comme nous l'a partagé Thomas, euh, se servir des... des super canaux que l'on a aujourd'hui en 2023 à notre disposition, suivant euh, les personnes que l'on souhaite toucher. Et euh, je vous remercie tous, euh, Muriel qui... qui est partie, Adrien, Anne, Tiphaine Thomas, merci beaucoup, et Rémy, pour votre intervention. Euh, et euh, j'enverrai je, le, le guide du fundraiser en peer-to-peer -to -peer à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et euh, je vous dis à très bientôt pour euh, un prochain euh, live ou webinar. Merci à vous, merci Maï pour la présentation. Merci. Merci. Au merci. merci. Au revoir. Merci. Au revoir.